Tout le monde est prêt. Let's get it on. C'est parti. C'est parti. Allons-y, messieurs. Encore une fois, l'expérience du côté de Pete Spratt. Georges doit absolument amener le combat au sol. Un autre avantage pour Bien rabattu au sol. Très bien fait. Tentative. Et là, Saint-Pierre va tenter de passer la, en fait, la demi-garde de Pete Spratt en ce moment. Et je vais vous dire une chose, au sol, Georges a un avantage énorme sur Pete Spratt. Énorme. L'avantage de Saint-Pierre, c'est que non seulement est-il fort, mais il est ultra rapide après ça. Ben, Saint-Pierre, et voilà, position montée de côté. De côté. Là, Spratt doit être prudent avec les genoux et les coudes de Saint-Pierre. Saint-Pierre, là, c'est son pain et son beurre, cette position-là. L'Américain qui s'est mis lui-même en péril. Et voyons de quelle façon Spratt Saint-Pierre... Spratt, dans le premier round, n'aurait pas dû lancer un coup de pied. Il aurait dû boxer seulement. Saint-Pierre, il va tenter... Et voilà, position montée complète. C'est fait. Et les jambes accrochées en plus de ça. Et là, on voit que Saint-Pierre est nerveux parce que d'habitude, lorsqu'il prend cette position-là, c'est pas long que les coudes descendent. On voit qu'il y a de la, la nervosité. Mais on peut pas le blâmer non plus. Oh, et là, Spratt a donné son dos. Le dos et tentative d'étranglement arrière. Étranglement arrière. L'impression qu'il... non, il l'a échappé. Spratt s'est bien défendu. Ouais. L'expérience, hein? Non, coup de poing maintenant. Oh. Il a donné son dos. Et là, Georges lui a donné un coup et Spratt n'a pas aimé ça. Est-ce que... Spratt qui se défend tout de même assez bien. Et Saint-Pierre qui prend son temps aussi. Saint-Pierre prend son temps, Spratt prend son temps aussi. Il se défend bien, Spratt. Et voilà, encore une fois, il donne son dos et là... À cheval sur son rival. Il ne doit pas jouer à ça trop avec Georges Saint-Pierre. Là. Le Georges travaille le bras, là. À un moment... Wow, voilà, il a tourné. Beau travail de Pete Spratt. Donc, bien fait, très bien fait. Beau et ça vous donne une idée de l'expérience. Voilà, maintenant. Oh, bonne droite, mais qui n'a pas atteint la cible solidement. Voyons comment Saint-Pierre va s'en sortir, s'il en est capable. 2 minutes et presque. C'est surprenant que ce n'est pas Spratt qui a essayé de ramener Saint-Pierre vers le centre, mais plutôt Saint-Pierre qui a ramené Spratt vers le centre. Quel excellent mouvement, Saint-Pierre! Pirouette qui était très bien fait à l'avantage. Quel mouvement de Georges Saint-Pierre, il est maintenant en position montée complète. Et là, Spratt ne comprend rien. Absolument. C'est ce que Georges disait. Alors, comment est-ce qu'il va... Et là, Spratt est dans le trou, Jean-Paul. Croyez-le. Et là, Saint-Pierre le ramène vers le centre. À genoux, vers le centre du ring. Oh! Écrasement. Spratt, il donne et son le dos encore une fois. Oh là, est-ce que... Oui, là, je... Saint-Pierre a rentré ses crochets. Là, il est dans une bonne position. La voici. Là, par exemple. Là, c'est un étranglement arrière, Jean-Paul. C'est terminé. Voilà. Et